à tous, c'est Dorian, on est mardi et on se retrouve pour notre séance hebdomadaire de sport. Voilà, je vous rappelle, très très important de faire un petit peu de sport toutes les semaines. Et aujourd'hui, je ne suis pas tout seul, j'ai la chance d'être avec Privel Inkati. Privel qui est du coup un athlète béninois qualifié pour les Jeux Olympiques en aviron. Voilà, un des seuls Normands qualifiés. Il va se présenter, mais déjà je te félicite Privel pour tout ce que tu fais et voilà ta motivation au quotidien. Privel, si tu peux parler un peu de ton sport et de tes qualifications aux Jeux Olympiques. Bonjour à tous, donc moi je suis Privel Inkati, j'ai 32 ans, je suis Hérouville. Donc du coup je suis qualifié pour les Jeux Olympiques de Tokyo en aviron, donc ils commenceront le 23 juillet. Donc je vous invite tous à me suivre dès le 23 juillet à ma première épreuve qui sera le matin, donc un petit décalage horaire pour nous les Normands ici, mais donc, je vous invite vraiment à me suivre. Et à suivre mon parcours aussi sur les différents réseaux sociaux, Instagram. Voilà, donc là en dessous vous voyez, il y a le Instagram, Facebook de Privel. En tout cas, moi c'est sur Privel, je serai là pour te soutenir et j'espère que toute la région sera là aussi parce qu'on a vraiment de la chance d'avoir un athlète qualifié aux Jeux Olympiques, c'est pas rien. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais en tout cas, merci d'être là ce matin. On est à la base d'aviron d'Hérouville-Saint-Clair sous le beau soleil normand et aujourd'hui je t'ai concocté une petite séance. Encore une fois, total body, on va travailler le bas du corps dans un premier temps. Il y aura 6 exercices, 3 sur le bas du corps, 3 sur le haut du corps. 40 secondes d'effort, 20 secondes de récupération. On s'adapte selon le niveau, aucun problème. Nous, on vous montre une première fois les exercices et après, on enchaîne. Okay. Je vous rappelle les squats, pied largeur bassin, centre neutre, les épaules basses, le menton relevé. Donc, squat, les fesses partent bien derrière. Squat simple, j'ouvre les jambes, squat ouvert. Ferme, squat ouvert. Voilà, pendant 40 secondes. Pour ceux qui veulent, ils pourront rajouter des petits sauts pour faire travailler le cardio en même temps. L'exercice 2, on va continuer à travailler les fessiers et les cuisses. On va se mettre en fente. Fente statique. On prend une ouverture raisonnable. Ok, menton relevé. On va venir descendre. Genou à 90 ici, genou à 90 ici. Si c'est trop dur, vous pouvez rester un peu plus haut. Et voilà, pendant 40 secondes, statique. Voilà. Bien sûr, l'exercice 3, on va changer de jambe, on ne va pas rester bancal. Parfait. L'exercice 4, on passera en gainage. Donc gainage, pour ceux qui veulent, sur les genoux, je vous rappelle, c'est vraiment adapté pour tout le monde. Vous pouvez se mettre soit sur les genoux, tac, en gainage dynamique, soit sur la pointe des pieds, et du coup on va descendre, remonter, et ensuite on va ramener genou droit sur tout droit. Tac, voilà. Vous avez préparé un gainage bien solide parce que Privel prépare les Jeux Olympiques, donc il fallait quand même quelque chose de solide. Mais sinon, sur les genoux, on va faire la même chose. Ça, c'est pour l'exercice 4. L'exercice 5, les abdos. Hop, on va se mettre au sol. Abdos push-up, on est là. Boum. Voilà, on va chercher. Tac. Si vous ne pouvez pas aller jusque là, hop, petit à coup. On reste en haut, voilà, si on peut aller chercher jusqu'au bout, on va chercher jusqu'au bout. Et pour l'exercice 6, on va travailler les triceps, parce qu'on va faire des dips. Nous, on a la chance d'avoir les beaux bateaux. Tac. Et voilà pour les dips, on descend, je vous rappelle, les coudes bien serrés. Et surtout, c'est les fesses qui descendent le long du bateau ou le long d'une chaise, si vous avez le long de votre table basse, vous avez le choix. Voilà, on a nos 6 exercices, 40 secondes d'effort, 20 secondes de récup. Privel, c'est bon pour toi? C'est bon pour moi, je suis chaud. Moi aussi. Du coup, j'enlève un peu la veste. Oh là là là. Allez. Oh, j'ai tapé la veste. Ah, ça rigole. Je la jette, mais elle s'en va. Ok, on commence squat ouvert, squat fermé dans 4 secondes. Allez, on adapte selon son niveau. Vous n'êtes pas obligé de descendre trop bas. 2, 1, c'est parti. Voilà. Ok. Vous n'avez pas besoin de descendre très bas. L'important, c'est de garder le dos bien droit, le menton relevé. Voilà, pour ceux qui veulent, vous pouvez rajouter des sauts. Quand je dis pour ceux qui veulent, c'est pour Privel. Je suis. Ah, ça va. Moi, je fais les options faciles, Privel. Vas-y, montre les options difficiles. Allez, encore 10 secondes. Allez, on aura 3 tours aujourd'hui. J'ai bien votre effort. Repos. 20 secondes. Nickel. Bien sûr, si vous avez de l'eau. Enfin, non, c'est pas si vous avez de l'eau. Vous avez de l'eau. N'hésitez pas à boire.
régulièrement. Bah ça passe vite hein, 5 secondes, on est bientôt parti. Eh ouais, allez, fin de statique. Allez, c'est parti. Bien sûr, distanciation sociale. Si on perd d'équilibre. Exactement. On regarde bien droit. On regarde bien en face, pardon. On reste bien droit. Allez. On gère ce timing. Doucement. Vous gérez votre allure, vous gérez votre vitesse, vous gérez tout, ok? Vous n'êtes pas obligé d'aller vite comme privé, vous pouvez vraiment prendre votre temps. Moi je fais une pause parce que j'ai déjà mal aux jambes. C'est toujours l'avantage d'être coach. Je fais genre que, ouais c'est bien, mais en fait c'est juste que j'ai mal aux jambes. Repos. Nickel. Allez, 20 secondes, on part sur l'autre jambe. Vous allez voir, demain, vous allez avoir des petites courbatures au niveau des fessiers. Je vous rappelle pour les fentes, encore une fois, si c'est trop compliqué, vous avez juste à descendre comme ça. Vous n'avez pas besoin de descendre si bas. Vous n'êtes pas à 90, c'est pas grave, c'est juste c'est parti. Ce qu'il faut surtout pas faire en fait, c'est le genou qui avance, c'est bien le centre du corps qui descend, la flexion elle part de la jambe arrière. Allez, chien, je vais venir au cours de sport. Bonjour. Oui, parce qu'aujourd'hui on est le long du canal et il y a du monde. Allez, vous voyez, Privel, nous à 90, 90 ici, il met de l'intensité, il aura mal aux fesses demain. Allez, allez, allez. 2, 1. Ok, 20 secondes de repos. Voilà, donc là on a 3 exercices où on est sur le bas du corps. Et là on passe en haut du corps. Donc gainage, abdos, bip. J'espère que vous avez la chance de faire ça dehors vous aussi aujourd'hui. On a pas chance avec le temps. Allez, c'est parti pour le gainage. Allez, je vous rappelle, moi je le fais sur les genoux. Donc les abdos bien serrés, les fesses bien serrées, le regard vers le sol. Je descends, je remonte. Si je peux, genou droit, droit, genou gauche, coude gauche. Pour ceux qui ne peuvent pas, voilà. Gainage statique. Là on est bien. Sur les genoux, les abdos sont serrés, ça suffit largement. Allez. Repos. On peut rester au sol. Je vous rappelle aussi, si vous voulez suivre toutes les séances de sport, toutes les semaines sur la chaîne YouTube d'Hérouville et Facebook d'Hérouville, vous avez les cours qui sont disponibles. Allez, hein, c'est parti pour les abdos. Allez. C'est compliqué. Hop, reste ici. Hop. Juste la contraction, le fait de lever les épaules, contracter vos abdos, ça suffit pour travailler. Hop. Ici. Allez. Repos. Parfait. On passe maintenant au dips pour avoir des beaux triceps. Ah, faut pas que ça conduise. Voilà, je prends pas de saut. Nickel. Allez, je vous rappelle, vous vous mettez sur quelque chose de surélevé, une chaise, si vous avez, c'est parfait la chaise. Et c'est parti. Tac. Si c'est trop facile, jambes tendues. Les genoux, voilà, à une jambe, vous pouvez aussi. Allez, allez. Parfait. Les coudes le long du corps, toujours. Moi, j'aime bien regarder les gens. Voilà, Privel, il prend l'option plus, plus, plus. Mais encore une fois, chacun son rythme. Allez, 5 secondes. Allez, 2, 1. Repos, fin du premier tour. Voilà, on vient de finir le premier tour. Vous êtes à un tiers de la séance.
Vous avez le sourire? Ouais. Ok, nickel, c'est parti. On enchaîne directement. On repasse sur le haut du corps, c'est bon, sur le bas du corps. Il a pu se reposer depuis tout à l'heure. 1, c'est parti. Squat, squat ouvert. Allez. Je vous rappelle, sur les squats, c'est bien les fesses qui partent loin derrière. Le dos est droit. Menton relevé, les épaules basses. Allez. Allez, 8 secondes. Si ça brûle, c'est normal. Allez. Vous pouvez sentir la différence entre les squats simples et les squats ouverts. Repos. Sur les squats ouverts, ici, là, vous pouvez sentir que ça brûle. Bien derrière les cuisses ici. Les squats simples, ça va brûler aussi beaucoup plus sur le devant des cuisses. Comme on dit, les quadriceps. Exactement. Allez, c'est parti. 2, 1, fort. Allez, je reste ici. Voilà, si vous pouvez mettre les bras, quand vous descendez la jambe gauche devant, c'est le bras droit qui doit partir. Comme en course à pied. Allez, c'est une belle séance aujourd'hui. Plus vous allez descendre bas, plus vous allez travailler. Repos. Ça brûle? Tu peux? Tu peux, ça va encore. Nickel. C'est vrai qu'il en fait toutes les semaines, donc c'est pour ça qu'il prend les options difficiles. En même temps, s'il n'en faisait pas, c'est compliqué d'aller aux Jeux Olympiques. Enfin. Allez, c'est parti. Du coup, tu rames combien de fois par semaine? Je rame à peu près 8 fois par semaine. Et après, j'ai tout l'entraînement, musculation, corps tenu, avec un préparateur physique. Donc, ça fait entre 11 et 14 entraînements par semaine. 11 et 14 entraînements par semaine. Voilà, tout simplement. Ce matin à 6h, je vais se donner les moyens de réussir. Ouais. Mais peu importe le niveau, si votre objectif c'est juste de retrouver la ligne, il faut se donner les moyens de réussir. Et une fois par semaine, c'est le minimum. Allez, 1, repos. Allez, c'est bon, on a terminé pour les jambes. On va passer au sol. On a notre petit tapis. Allez, c'est parti. Allez. Voilà, parfait. Une belle planche. Les abdos sont serrés. Presque pas bouger. Si on serre les fesses et on contracte les abdos, le bassin doit rester stable. Allez. Repos. Parfait. Allez, n'oubliez pas de boire. On boit, on boit, on boit. Ça travaille, ça travaille. Allez, on part pour les abdos. 2, 1, c'est parti. Allez, 40 secondes d'abdos. Pour rappel, moi j'ai fait l'option facile. Voilà. Juste tenter de lever les épaules comme ça. Vous sentez une contraction au niveau de vos abdos. Et ça suffit. Allez, 15 secondes. Je souffle à l'effort, j'inspire avec casse. Repos. Tu commences à bouger un petit peu les abdos.
C'est parfait. On passe sur les dips. Allez, cherchez votre chaise, votre table. Hop. On n'a pas les orties. Ça va piquer les fesses, sinon. Tu couches. Ouais. Allez. Sur les ballons, tranquillement. Je rappelle les coudes serrés, le menton relevé, flexion des pieds. Alors, si vous voulez, sur une jambe, et déjà, comme ça, au bout de 40 secondes, c'est le moment de rouler un petit peu les triceps. 2, 1, repos. Ouh, fin du deuxième tour. Allez, on est sur le dernier tour. On donne tout. On y va, on fait les bonnes difficiles, on essaye de mettre un peu plus d'intensité. Allez, c'est parti. Squat ouvert, squat fermé. Sentez bien la différence, prenez votre temps. On ouvre les jambes, on descend, on ramène les jambes, pied largeur bassin, et c'est parti. Allez. Nous on est sur les sauts, je vous rappelle, vous n'avez pas besoin des sauts. Si c'est facile, vous pouvez sauter plus haut. Et là, il peut sauter plus haut d'ailleurs, je crois. Voilà. Allez. Vous allez avoir un fessier en béton avec ça. Bien pour la plage. Après le chocolat, c'est pas mal. Terminé pour les squats. Voilà, les squats, c'est fait. Réfoin. Allez, on est sur le dernier tour, courage. Pied gauche devant. Et c'est parti. Allez. Vous voyez, votre talon est décollé sur l'effort. Pas vraiment rien décollé. Ça brûle, c'est normal. Quand tu dis pas rien, c'est qui là-bas, je vous le dis. C'est ça. Allez, encore 4 secondes. Repos. Allez, on dit qu'on dit les jambes. On part sur la jambe droite devant. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Allez, ça va commencer à brûler, c'est normal. Si ça ne brûle pas, c'est qu'il y a un problème. Descendez plus bas. Allez, courage. On s'accroche, 10 secondes. 10 secondes. C'est vrai, vous avez grugé 4 secondes, c'est cadeau. Repos. Ouh, terminé pour les jambes. On les laisse tranquilles pour aujourd'hui. Allez, buvez, récupérez. On passe au gainage, objectif ventre plat. Pour avoir les delpes, un beau ventre. Cet été sur la plage. Voilà. C'est mardi. Allez, c'est parti. Hop, hop. Venez sur les coudes. Sur les bras. Venez droit. Coup droit. Venez gauche, coup gauche. Sur les genoux, c'est pareil. On regarde toujours vers le sol. On se tend. Allez, repos. Allez,
Plus que deux exercices. Une minute d'un départ. Courage. Les abdos, les dips, et on n'en parle plus. Ça sera très bien pour cette semaine. C'est une belle séance aujourd'hui. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Allez, go. C'est facile. Bon appel. Voilà, les fesses bien au sol. Le bas du dos bien comme au sol. On remonte les épaules tranquillement. Allez, 10 secondes. Allez, allez, courage, jusqu'au bout. Ok, repos. Allez. Dernier exercice de 10. Ça va? Ça va, mon frère, ça va? Allez, go, c'est parti. Allez, 40 secondes. Donc, si tu veux bien, je vous rappelle, les coudes, les bras bien le long du corps. Votre dos doit frôler votre chaise, votre kayak, votre table, peu importe. Votre chien, si vous êtes appuyé sur votre chien, si jamais il peut être solide, c'est pas conseillé, c'est trop mobile. Allez, 5 secondes. Et... terminé. 5. Ouais, voilà, on vient de faire 3 tours, 18 minutes d'exercice. Vous voyez, il ne faut pas plus long. On a mis 18 minutes pour transpirer. Je peux vous dire que si vous faites ça 18 minutes toutes les semaines, ça suffit largement pour vous maintenir en forme, vous remettre au sport. Merci Kevin. On va s'étirer un petit peu quand même. Tu as un petit peu mal aux cuisses du coup. Ouais. Petite séance d'étirement tranquillement. Je vous rappelle, hein, si vous voulez soutenir Privel pour les Jeux Olympiques, allez sur sa page. Parlez-en autour de vous quand même. Que ce soit nombreux à le soutenir le 23 juillet. C'est ça, 23 juillet. Donc, première épreuve le 23 juillet. Et puis, le jour de la cérémonie d'ouverture. Cérémonie d'ouverture aussi le soir. C'est à quelle heure en France? J'ai pas encore mis, je crois qu'il y a 8h. Je crois qu'il y a 8h de plus. Je crois. Oui, parce que pour ceux qui ne savent pas, Tokyo c'est au Japon. Je dis, on sait jamais. Bon. Allez, on change de jambe. Donc là, sur cet étirement-là, on travaille les quadriceps. Travail, on étire, pardon. Allez, on souffle bien là. Le but des étirements, c'est de faire un petit retour au calme. Faire descendre un petit peu de cardio. Plus de tension dans le corps. Ok, parfait. Ok, une jambe tendue, pointe relevée. La deuxième jambe est légèrement fléchie. On met les mains sur la jambe qui est fléchie. Voilà. Et on recule les fesses. On va chercher derrière et je vais sentir un étirement sur l'arrière de votre jambe gauche ou droite, c'est le pas, c'est le tendu. Oh, c'est cool. Ça fait bien le dos, ça fait bien le transpirer, ça fait bien. Hein? Il y a deux jambes, on va avoir la première. Allez, allez, on change de jambe. Fléchi. Allez, on vient à droite. On prend des grandes inspirations. Okay.
arrondi le dos, on rentre même en bout, on reste tout droit devant. Les genoux toujours légèrement plus ici. Grande inspiration, on va toucher le ciel. On souffle, on relâche. Et bravo, une séance de plus terminée. Bonjour. Aujourd'hui bonjour. Avec Kylian et Cathy. Merci beaucoup Kylian d'avoir été là aujourd'hui. Avec la personnalité. Très bien. Voilà, le sport pour tous, important, tout le monde peut s'y mettre, peu importe le niveau. Tout le niveau. Exactement, on peut adapter les séances. Donc c'est ça. Le but c'est vraiment d'avoir un entraînement régulier. Si vous voulez progresser, il faut régulièrement, une fois par semaine, vous mettre au sport et voilà, adapter selon votre niveau, mais c'est fait pour tout le monde. Parfait. Ok. Parfait, merci à tous de nous avoir suivis. À la semaine prochaine et bonne journée. À bientôt. Ciao.